Ok, ça y est, je suis. Vais juste vérifier. Ok, c'est bon, j'ai tout. Bah écoutez. Je vais me taper une nouvelle partie, hein, du coup. Terrien, fermier, rouge, abeille, cristalline. Ça, c'est verrouillé. Qu'est-ce que j'ai pas testé encore? Nickel. Ah, rouge, j'ai pas testé encore, je pense pas. Alors, bah, on va choisir XGLD aussi, pareil. Ensuite, quelle couleur je préfère, je sais pas. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à jeu, mais qu'est-ce qu'il est bon. C'est une vraie partie de détente. Ça fait partie des jeux, je pense, comme Minecraft. Une fois que tu y joues, tu peux pas t'en passer. Durée de vie est infinie. Ah ouais, c'est ça, les objectifs pour plus bas. Commencer entre équité. Ouais, d'accord. Et puis là, pour modifier les vaisseaux. Okay. Ah, c'est vrai que c'est le bouton Y pour modifier le vaisseau. On n'a plus de ça. D'ailleurs, je vais peut-être me mettre plutôt en mode plein écran. Fenêtre plein écran, comme ça va être un peu mieux. J'avais un objectif à atteindre par là. Donc il y avait des choses à ramasser. Ah non, l'objectif était plutôt par là. Maintenant, j'ai suffisamment de points. Aucune usine installée. Peut-être suffisamment de points pour installer une usine. Faites glisser à nouveau le bloc de la palette. Okay.
ça c'est caractéristique. Vérifier les commandes du clavier de menu aide, d'accord. Quitter lorsque vous avez terminé. Je voulais au niveau des améliorations. Augmenter le P et construction en plus grand vaisseau. Je pense capacité. Alors ouais, c'est ça, je voulais augmenter la capacité de mon vaisseau. Et activer des lanceurs de drones. Comme ça, j'ai assez pour les lanceurs de drones, ça devrait le faire. Voilà. Du coup, bah, je vais me faire plaisir. Je vais mettre un lanceur de drone. Ici. Je sais pas si ça va le faire. Si je le mets ici, il sera pas protégé. À la place de ça, je pense que je vais le mettre. Peut-être. Est-ce qu'il y a possibilité de le caler là? Ouais, ça peut le faire. Par contre, ça, après, j'en ai pas spécialement besoin. Ça, je peux le détruire. Non, il me reste encore 99. On va rajouter peut-être des petits propulseurs. Sur le drone, on ne voit pas trop en fait, ici. C'est dommage. Ouais, bon, on va le laisser là, peut-être. Est-ce que je peux mettre un deuxième lanceur de drone ici? Ça serait le top, mais je sais pas si je vais avoir tellement de place. J'agrandisse un peu le vaisseau en fait. Ok, on va tester.
ça. Ouais, je suis plutôt Ah, là par contre, ça va être plus difficile. Il y a un bouclier. Ouais, il me tient à distance avec ces trucs aussi, c'est ça. C'est possible de rajouter un laser anti-missile. J'ajoute un générateur. Sinon, je vais me retrouver dans la merde. Thank you.
On va mettre ça aussi. Peut-être que si je le place, c'est là. Okay. On va faire un test pour voir si ça marche mieux. Ah ouais, d'accord. Par contre, lui, il me barre plein de couture. Thank you.
Bon, faut que j'améliore mon truc. Hein. C'est pas encore au point. On va sauvegarder déjà ce qu'on a fait. Maniable. Vachement moins maniable qu'avant en fait. Je crois que j'ai déconné. Hein. J'ajoute des propulseurs parce que là, ils se traînent, ils se traînent. Bon, on va faire un test pour voir si il est même plus maniable. Ah ouais, d'accord. Thank you.
Thank you.
difficile de faire une construction entre les deux. Allez, comment je vais m'en sortir? Commencer un peu tout parce que là ça c'est devenu n'importe quoi. On va tout refaire à zéro. Alors, on va refaire un vaisseau. C'est l'encadrer avec des trucs anti-missiles. Voilà, ça c'est l'idée. Ça c'est l'idée de base. Ça aura un peu plus de gueule. Maintenant, on va protéger ça avec un lanceur de drone ici. Bon, là, on est bon. Tout autour avec des blasters. Faut assez pour mettre les propulseurs et tout ça. On va économiser un petit peu. Hein.
C'est mieux de faire comme ça, je pense. C'est un peu plus esthétique, parce que sinon, ça fait... Ça, j'en veux pas, ça. Thank you.
Ah ouais, d'accord. Merci.
Thank you.
Thank you.
Merci.